Une tangente T d'équation. Y égale, alors, c'est f prime de 1, d'accord? Facteur de x moins 1 plus f de 1. F prime de 1, facteur de x moins 1, ou x moins 1 plus f de 1. Alors, pensons que f prime de 1, c'est égal à, alors quand on regarde f prime de x, on va dans f prime de x, on remplace x par 1, et on obtient f prime de 1 qui est égal à moins 3 plus 10 moins 3. C'est égal à 4. Et d'autre part, f de 1, dans f de x, on va remplacer x par 1, f de 1 est égal à moins 1 plus 5 moins 3 plus 5. C'est égal à 6. Donc, l'équation de la tangente est y égale f' de 1, c'est-à-dire 4, facteur de x moins 1, plus f de 1, donc plus 6. C'est-à-dire en développant 4x moins 4 et plus 6. Donc l'équation de la tangente est égale à 4x plus 2. D'accord? Voilà. Question suivante. On demande de développer l'expression x moins 1 le tout au carré facteur de x moins 3. Alors, ce n'est pas très très compliqué à développer, hein. X moins 1 le tout au carré en facteur de x moins 3. Donc, pour x moins 1, pour le carré de x moins 1, c'est le carré du premier terme, donc x au carré. Moins le double produit, donc moins 2 fois x fois 1 moins 2x, plus le carré du second terme. Facteur de x moins 3, on développe à nouveau. Donc ça nous fait x au carré fois x, ça fait x au cube. X au carré fois moins 3, ça nous fait moins 3x au carré. Moins 2x fois x, moins 2x au carré. Moins 2x fois moins 3, plus 6x. Plus 1 fois x plus x et plus 1 fois moins 3 moins 3. Voilà, donc on met entre, on regroupe les termes identiques, hein, donc moins 3x carré moins 2x carré, ça nous fait moins 5x au carré. Bon, déjà on a x au cube, bon, moins 5x au carré, plus 7x. Et moins 3. D'accord? X au cube moins 5x au carré plus 7x moins 3. Tel est le développement de l'expression x moins 1 le tout au carré facteur de x moins 3. Petit b, déterminer les coordonnées des points d'intersection. Les coordonnées des points d'intersection de la courbe et de la tangente. Bon, déjà, il faut penser que la courbe a pour équation y égale f de x, c'est-à-dire y égale moins x au cube plus 5x au carré moins 3x plus 5, et que la tangente a l'équation qu'on vient de déterminer, y égale 4x plus 1. Donc, on peut écrire ceci, les coordonnées. Alors on peut écrire ceci, les coordonnées x, y des points d'intersection de
de la courbe C et de sa tangente T vérifie le système d'équations suivant. Alors ce système c'est y égale moins x au cube plus 5x au carré moins 3x plus 5 pour la courbe de la fonction f, hein, son équation, et y égale 4x plus 2 pour la tangente à cette courbe. On voit bien qu'on a donc un système qu'il faut résoudre. Donc, du coup, on est bien d'accord que les abscisses, car ici, ce qu'on a ici est égal à ce qu'on a ici en fait. Alors pensons que les abscisses de ces points d'intersection vérifient l'équation